comment ça se fait que tes kiwis sont aussi doux? Alors cette vidéo est sponsorisée par Manscaped.com, la marque internationale de produits d'épilation et d'hygiène pour hommes. Manscaped m'a envoyé plein de produits provenant de leur kit Performance Package 4.0. Manscaped, vos boules vous remercieront. Ça se présente un petit peu comme ça, comme vous pouvez le voir. La star du paquet, c'est ça, le Lawnmower 4.0. Avec un nom comme ça, c'est du serious business. Il possède des lames en céramique et une petite lumière. Ça vous permettra de travailler avec précision sans avoir peur de vous couper. C'est waterproof et il possède un système de rechargement sans fil. Ce rasoir possède un verrou de sécurité qui s'active en appuyant 3 fois sur le bouton. 1, 2, 3. Alors, je ne pensais pas dire ça un jour. Non, vraiment pas, non. Mais il y a aussi du déodorant pour boules. Et un spray rafraîchissant à l'aloe vera. Après la douche, un petit coup de crop préserveur vous permettra de sentir bon toute la journée. Le crop reviver, quant à lui, il vous permettra de vous rafraîchir instantanément, et ce à n'importe quel moment de la journée. Et ça, vous en aurez besoin. Manscaped propose également le Weed Whacker. Lui, c'est pour les poils du nez et des oreilles. Pour une durée limitée, vous pouvez repartir avec tout ceci, plus 2 cadeaux offerts, trousse de voyage Shed, et un super caleçon anti-irritation. Rendez-vous sur le site manscaped.com dès aujourd'hui pour bénéficier de moins 20% de réduction, la livraison internationale offerte, plus 2 cadeaux avec le code CEROS. Vous avez été très nombreux à me demander la suite de Sally's Face. Eh bien, voici l'épisode 2 qui s'appelle Les Misérables. Sal, Sally, où es-tu? Je suis perdu. Au crépuscule, marchant d'un pas velouté, les cheveux bleus au vent. Devant moi, ma mère. Te promène pas loin, mon chou! Je vais voir le toutou, maman, tu l'entends pas? Pourquoi tu n'attendrais pas que ton père arrive? Il devrait être là d'une minute à l'autre. Mais je veux vraiment le voir! S'il te plaît! S'il te plaît, je veux jouer avec le chien! Bon, d'accord, Sal. Donne-moi juste une seconde pour aller chercher mon sac. Comme ça, on peut y aller ensemble. Youpi! Je t'attends là-bas, près des arbres. Et donc Sal s'élança, toujours de son pas velouté, vers le bruit que produisait le petit chien. Sa mère lui avait dit d'attendre, mais bien sûr, le petit Sal ne voulait pas entendre comme ça. Il voulait voir le chien. Il se dirigea donc vers lui, sans même s'apercevoir qu'il s'éloignait beaucoup trop dans la forêt. Une silhouette observait la scène. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Au sol, je vois un sac à main. Je vois un collier. Je vois des squelettes. La ville au loin. Et bien évidemment, l'ambulance remplie de sang. Est-ce que c'est un cauchemar qu'il fait à chaque fois? Merci beaucoup d'être venu m'aider avec les toilettes. Pas de problème, Madame Sanderson. Ce sera fini en un rien de temps. Super. Normalement, Herman s'en serait occupé lui-même, mais malheureusement, il a les doigts en vinaigre. Et je ne fais pas trop confiance au plombier du coin. Je comprends. Merci beaucoup. Ok, d'accord. À quel moment... Alors du coup, il y a la photo derrière, tu vois, où tu vois, il y a un monsieur cheveux roux et cette même madame qui sourit. Il y a ici les petites peluches. Petite peluche Little Pony qui était probablement problématique. On va donc dans les toilettes et on va aller chercher... Oh mon dieu! Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces toilettes? Genre qu'est-ce qui s'est... Attendez les gars, attendez, est-ce que là vous voyez pas? Parce que je suis dessus, mais... À un moment donné, je veux dire, je veux bien rendre service, mais là c'est pas possible, d'accord? C'est juste pas possible! Dire, run service, je veux bien, mais j'espère que je suis bien payé, parce que là... Oh, non. Là, il a vu les toilettes, ils débordaient, ils continuent de pisser dedans, là. Ils sont sérieux, les gens, là? Oh! J'ai été mangé par les toilettes! Elle a intérêt à nous payer si elle veut qu'on nettoie ça. Bah, j'y nettoierai ça avec des gants, surtout. Je peux monter par là? Ah oui, je peux. D'accord. Je peux donc visiter en fait ces égouts. C'est une sorte de labyrinthe pour le coup. Alors vous savez quoi, avant de monter, je vais peut-être explorer tout ce qu'il y a en bas. Mon instinct de gamer.
instinct de gamer hors norme me dit qu'il y a des choses à droite. Poney. Pff, ok, d'accord. Ça va être compliqué celui-là, mais non, je peux le gérer. Toi là, s'il te plaît, aide-moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? L'eau. Elle s'est arrêtée. Très soif. Ne t'inquiète pas, je sais comment arranger ça. S'il te plaît, dépêche-toi. Ok, d'accord. Donc du coup, je dois ramener de l'eau pour ce petit poney qui fait pitié. Ce petit poney qui est tout mignon, comme vous avez pu le voir. Il a une jolie trogne. On l'aime bien. Allumé. Alors ça ne s'allume pas. Donc peut-être qu'il y a un ordre d'allumage. Ça a géchant, Little Pony. Ah non, mais il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir. Alors, du coup, je peux allumer ça aussi. Ah, c'est vert. Alors, est-ce que je peux descendre par là? Est-ce que c'est le même endroit? Oui, je pense que c'est juste le même endroit. Je vais même pas me perdre, en fait. Est-ce que ça va faire... Ça n'a pas allumé. Donc, il doit y avoir probablement un troisième interrupteur que je vais devoir allumer dans l'ordre. Donc, celui-là, il est bon. Le dernier doit être en haut, tout simplement. Il est mimi, la licorne, arrêtez. C'est après un mois sans eau et sans prendre de douche. Eh ben, ça fait pas du bien, j'ai l'impression. Ok, nickel. Donc j'ai allumé ce deuxième interrupteur. Et on va pouvoir allumer le dernier et peut-être allumer l'eau pour la licorne. Et avec un peu de chance, elle va nous remercier. Enfin, j'espère. Ça a marché. Ok, bah ça a marché, let's go. On va aller retrouver la petite licorne. Ok, donc l'eau... C'est quoi ce jeu, les gens? L'épisode 1 était gentil, en fait. Dans l'épisode 1, il s'est rien passé de grave. Là, en même pas 2 minutes, j'ai des trucs horribles. Ah, les toilettes. Je m'attendais pas à ça. J'ai dû mettre trop d'eau, ouais. Je peux sortir d'ici? Regardez. Un troisième meurtre? Mais... Tout le monde meurt autour de moi. Comment tu veux qu'il soit pas traumatisé, le petit? Ouais, on va partir. Je suis venu l'aider pour nettoyer les toilettes. Et là, je vois... Je suis les empreintes de pas au sol de quelqu'un qui l'aurait tué. Il s'est essuyé les pieds au bout d'un moment. En fait, le jeu est vraiment... C'est de l'horreur psychologique. Ah, encore lui. Sale. Rapproche-toi. J'ai quelque chose à te montrer. Non, va pas voir, sale. C'est horrible. Oh! Je sais que tu as touché à mon poney. Je croyais qu'on était amis. Sale. Aha. Ah ouais, c'est des cauchemars, les gars. C'est des cauchemars horribles. Hein. Épisode 2. Les Misérables. Eh ben, ça promet. Ça promet, hein. Eh mec, t'as toujours ces cauchemars, là? J'en ai jamais eu d'aussi mauvais depuis... Juste après le décès de ma mère. Je pense vraiment que quelque chose ne va pas. Hey mec, je crois que tu crois dur comme fer. Mais je pense vraiment pas que c'est un endroit hanté. Ah, j'ai vécu ici presque toute ma vie. Et j'ai vu aucun fantôme. Mais quoi? Eh bien, ce qu'on est depuis un moment maintenant. Je dois te montrer quelque chose. Allez, viens. Oh, il y a un escalier chez toi. Ah, t'es prêt? Oui, le Misérable, c'est un livre, normalement.
Victor Hugo, si je me trompe pas. Waouh, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Ah, c'est là que je viens quand j'ai besoin d'être seul. C'est ma forteresse de solitude. C'est une cabane dans les arbres, tu vois. C'est trop cool. Oh, génial. Je peux monter? Oh, yes. La voix de Kyra. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est trop bien. J'ai toujours voulu une cabane quand j'étais plus jeune. Ouais, mon père m'a construite. Juste avant qu'il disparaisse, là. Attends, quoi? Comment ça, il disparaisse? Un jour, il était là, et tout allait bien, et puis il est parti acheter du lait. Il est jamais revenu. Et toutes ses affaires étaient encore là. Ses habits, ses outils, son portefeuille, son permis de conduire. Il a juste disparu, là. Oh, putain, je suis désolé, Larry. Je sais à quel point c'est dur. Tes parents s'entendaient mal? Non, mes parents s'aimaient. Ils se disputaient rarement. C'est pas ce que tu crois, hein, mon père, il nous a pas abandonnés, hein. Juste parti chercher du lait. Je sais qu'il y a des gens, en fait, des fois quand je fais ça, je m'excuse en avance. Des fois quand je fais ça, c'est juste parce que ça m'amuse, tu vois. Et parce que quand les jeux sont vraiment très, très dark, j'aime bien détendre un peu l'atmosphère, ok? Et parfois, les gens s'énervent dans les commentaires en mode « Ouais, tu prends pas le jeu au sérieux, Seros ?» Oui, certes, mais des fois, trop prendre au sérieux les choses, c'est pas ouf, tu vois. Romy, merci pour ton sub. Merci pour ton 40e... La voix qui agace. Mais non! Non, Titi, dis pas ça! Il a acheté des cigarettes comme dans Pokémon. Merci, Romy, champion des rois. Oh, c'est gentil. Pourquoi c'est mec, Sally, c'est un prénom féminin, elle a des couettes? C'est un gars, normalement. Après, tu sais, j'avais les cheveux longs, hein, donc du coup... moi, ça me gêne pas. De toute façon, le jeu, il est trop sérieux. Et triste, mais oui. Alors, même si c'est que ma mère a décidé de croire, je sais qu'il nous aurait jamais laissé comme ça, il nous aimait. Je te crois, donc je pense... Tu penses qu'il s'est passé quoi? Écoute, tu sais que je suis pas superstitieux en général. Et toi et Chug, croyez dur comme faire quand les appartements sont hantés, mais... Eh bien, je pense qu'il y a autre chose. Comme quoi? Ah, j'en ai pas beaucoup parlé, mais... Je sais que je peux te faire confiance, seul. Je sais que tu me jugeras pas. Bien sûr que non. La veille de sa disparition, j'ai fait quelque chose dont je peux fier. Mes parents avaient des pétards, ils m'ont dit. Plusieurs fois que je devrais les attendre avant de les utiliser. Je pouvais pas jouer avec seul. Mais je pouvais pas résister, mec. Ah, j'en ai allumé quelques-uns à l'arrière et la dauphine à la fenêtre ouverte de Madame Gibson. Ça a tué son lapin, frère. Oh, mec, dur. Ouais, donc j'ai couru voir Madame Gibson, elle a crié dessus comme une folle. Comme si je me sentais déjà pas assez honteux. Oh, ce vieux sac d'os, je me sentais super mal, petit. Pauvre lapin. Bref, c'est en prenant l'ascenseur que j'ai vu le démon. Il m'a tendu la main, il m'a touché. Des sueurs froides parcouraient mon corps entier. J'avais la trouille, mec. Je croyais perdre la raison. Il est parti aussi vite qu'il est venu, pile quand les portes sont ouvertes. Il m'a maudit à cause de ce que j'ai fait. Tout dans ma vie a été foutu après ça. Et mon père a disparu. Ma mère a cessé de me parler pendant un moment. J'ai dû passer 2 semaines en prison juvénile pour avoir tué accidentellement un lapin. On m'a piqué mon vélo, frère. J'ai raté l'école tellement de fois, ours, que j'ai dû aller en cours de rattrapage d'été. Les mauvaises nouvelles s'enchaînaient. Terroriste sans faire exprès. Il est pas superstitieux, mais il a vu le démon. Alors depuis, d'horribles choses sont arrivées à moi, à mon entourage. Donc tu penses que cette malédiction aurait enlevé ton père? Alors, je sais que j'en ai pas l'air, mais je connais la vérité. Tout est de ma faute. Mon père, le lapin, Madame Sanderson, tout. Oh, doucement, mec. Même s'il y avait une espèce de malédiction, tu ne peux pas te blâmer pour toutes ces mauvaises choses. C'est pas de ta faute. À quoi ressemblait ce démon? Alors, j'avais jamais vu une chose pareille. C'était comme une ombre en mouvement toute noire et brumeuse, mais ayant la forme d'un homme. Et ses yeux étaient le pire. Ses yeux rouges et denses qui te percent du regard. Putain de merde. Quoi? Moi aussi, je l'ai vu. Je l'ai vu, ton démon. Oh, c'est pas vrai, quand? Je te jure, je l'ai vu dans le bâtiment, juste comme tu l'as décrit. Je suis sûr qu'il a un lien avec les autres fantômes. Oh, je sais pas, mec. Et si on levait la malédiction? Alors, comment on ferait ça? Peut-être qu'il y a des indices qui pourront nous aider près d'ici. On peut essayer d'en apprendre plus à propos des fantômes, voir si on peut aller au bout de cette affaire. Ah ouais, pourquoi pas? Ah, j'ai rien à perdre. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Ah, vous savez que c'est un jeu où il faut parler plusieurs fois au personnage? Ma mère ne voulait rien garder des affaires de mon père chez nous. Donc j'ai tout amené ici, pour quand il reviendra. Oh, t'es motivé, toi. J'ai une photo, je peux voir son papa. Oh, il y a une Game Boy en haut à gauche. Étrange. C'est quoi? Il y avait une Game Boy qui apparaissait en haut. J'ai trouvé cette étrange cartouche de jeu pour Gear Boy dans la boîte des objets trouvés, il y a un moment. Je crois qu'elle réagit aux activités surnaturelles. Oh, c'est l'une des dernières photos qu'on a prises ensemble, pas longtemps avant qu'il disparaisse.
Alors, je ferais mieux de continuer à chercher. Est-ce que j'ai un truc à faire particulièrement, Anton ? Rien d'utile ici. Coffre. Il y a une sorte de petite boîte bizarre là-dedans. On dirait qu'elle est fermée hermétiquement. Prendre. Qu'y a-t-il dans la boîte ? Aucune idée, mec ! Elle appartenait à mon père. C'est une sorte de boîte puzzle. J'ai jamais compris comment l'ouvrir. On dirait qu'il manque un morceau. Ah ouais, t'as raison. J'avais jamais remarqué. Ça te dérange si je garde ça ? Non, non, vas-y. Cool. Ok, super. Alors, dis-moi si t'arrives à l'ouvrir, hein. Bien sûr. Il n'y a rien d'autre. Oh merde, j'ai pris le truc avant de regarder les autres. Du coup, j'ai pas d'infos sur les autres trucs. Donc, je peux partir, je peux lui parler. Et je peux éventuellement prendre ma Game Boy avec un jeu bizarre que j'ai trouvé à la cave. Il manque un morceau. Donc, du coup, je peux rien faire de plus. Larry commence à faire froid, on devrait retourner à l'intérieur. Après, quand tu l'es. Ok, on y va. Ah, ça s'affichait coffre. Non, non, ça s'affichait, mais il a dit, le personnage a dit, il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur. Donc du coup, il a pas pu, il voulait pas ouvrir le coffre à nouveau. Donc, on est d'accord que ce jeu est un peu obscur. Hein. Vraiment obscur même. Ah, je vais regarder dans le coin et voir si je ne trouve pas d'autre chose. Ok, ça me va. Je vais rester ici, m'occuper de ma mère. Elle est super malade. Ouais, j'avais remarqué. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Eh, hey, merci, Sally. Hein. Oh là là, le dessin qu'il a fait, regardez. You. Ça fait un peu fantôme. Hein. Je devrais demander à Began si elle sait quelque chose à propos de ce démon. Pourvu qu'elle soit là aujourd'hui. Alors, je pourrais partir. J'ai des photos, en fait... Je peux aller dans sa salle de bain sans même qu'il soit là. Ok, on va visiter. C'est cool parce qu'on connaît déjà l'immeuble. Je dois éviter les toilettes, hein, on sait jamais. Hein, si jamais ça m'aspire encore comme la dernière fois. Ça peut être horrible. Non, Larry, il est pas louche. Oh, salut. Hey, Chug, qu'est-ce que tu fais? Hey, salut, Size Face. Ah, j'attends que le type du distributeur remplace la machine. Je peux pas commencer mon samedi sans chocolat. Alors, je comprends, j'aime bien commencer le week-end avec des jeux vidéo et des cartoons. T'as vu le nouvel épisode de Rico Modi's Wife? Oui, c'était génial, j'adore cette série. Ah, moi aussi? Ok, bye. La lessive. Sérieusement, qui a encore mis ses vêtements là-dedans? Bah, des gens qui veulent faire la lessive? Ça ne ressemble en rien que je puisse utiliser maintenant. Alors, je peux prendre l'ascenseur, distributeur automatique, il n'y a plus rien dedans. Et évidemment... Attends... Ok, c'est la maison de Larry, ok. J'étais un peu perdu dans ma tête. Et je peux prendre ça, l'ascenseur. Je connais rien au jeu, je découvre en même temps que toi, Seros. Let's go! Alors, je suis au B, je peux aller au 1. Il aura le diabète. Eh ben moi j'ai le diabète, ok. Alors, c'est pas ouf, hein. Je peux sortir quand même d'ici? Ah non. Ils ont mis plein de caméras de sécurité maintenant. Il y a eu tellement de meurtres en fait dans cet appartement. Dans cet immeuble en fait, ils ont mis des trucs partout. Je pense pas que quelqu'un vive ici. Personne vit dans le 5-4. Eh hey, monsieur Addison, je peux avoir du thé? Bonsoir, Salis Face. C'est bon de vous voir. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour monsieur Addison, je vais bien et vous? Merveilleusement bien. Merci d'avoir demandé. Alors comment puis-je vous être utile, jeune homme? C'est quoi ces nouvelles caméras? N'avez-vous pas reçu, toi et ton père, une invitation pour la réunion mensuelle? Tout y est discuté. Ouais, je suppose qu'on m'avait oublié. Ce n'est pas grave du tout, cependant, je vous suggère de participer aux réunions à l'avenir, si vous le pouvez. Vous voyez, cela permet de garder tout le monde informé et à jour. Quoi qu'il en soit, pour répondre à votre question, j'ai mis en place un nouveau système de sécurité. Pour le bien de tous, avec tous les événements récents, les locataires devenaient un peu nerveux. Mon espoir est qu'avec ce nouveau système de pointe en place, chacun peut se tenir plus à l'aise. Peut se sentir plus à l'aise. Je vois, merci de m'avoir expliqué. Au plaisir. Et si, vous avez vu des fantômes? Oh ciel! Ne me dis pas que mon bâtiment est hanté! La dernière chose dont j'ai besoin maintenant, ce sont des fantômes qui effraient mes locataires! J'ai assez de mal à garder tout le monde heureux pendant que Lisa est malade.
Non, 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 ça va, monsieur Addison, tout va bien. J'étais, je travaille sur une rédaction pour l'école, c'est tout. Hein. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Je peux tout simplement plus gérer le stress en ce moment. Vous faites du bon travail, essayez de ne pas trop forcer. Vous êtes trop gentil, Sal. Au revoir. Bonne journée. Madame Rosenberg. Qui est-ce? C'est Sal, d'en haut. Tu as besoin de quelque chose? Je voulais juste vous parler. À moi? Oh d'accord, la porte est ouverte. La langue de Molière. Alors si je dis j'en mange, je devrais pas, mais j'en mange quand même. Après j'ai des médicaments et tout. Hein. Moi j'en ai pas encore, mais je veux dire, il faudra que j'aille faire ma prise de sang et que j'aille voir le docteur. Enfin bref, longue histoire. Bonjour, ah mais c'est un monsieur. Ah non c'est madame, excusez-moi. Bonjour Sally, qu'est-ce qui amène une jeune fille comme toi à voir une si vieille femme? Elle a dit jeune fille. Bonjour madame Rosenberg, je voulais vous demander quelques trucs si possible. Demande mon enfant, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais le temps est tout ce qu'il me reste. Oui, le temps est tout ce que j'ai. Et même cela m'échappera. Ou peut-être qu'après tout, je n'ai jamais vraiment eu de prise dessus. Quel étrange concept, n'est-ce pas? Le temps, quand on reste là sans compagnie, la pensée peut dériver. Considérablement. Se demandant ce qui se cache derrière le voile, plonge-toi trop loin dans tes pensées et le monde devient de plus en plus insignifiant. Oui, le temps est une énigme. Oh, me voilà encore à divaguer. Pardonne-moi, ma chère Sally. Tu voulais me demander quelque chose? Depuis combien de temps vivez-vous ici? Allons, en effet. Cependant, c'est difficile à dire. Ma vieille mémoire peine à garder les souvenirs de la veille. Et encore plus ceux du passé. J'ai bien peur que ma fin approche. Bientôt, je deviendrai poussière. Et ma conscience fusionnera avec. Le grand et mystérieux vide. Un néant où il est impossible pour nous petits cerveaux d'y envelopper nos têtes. Croisant ma parole. J'ai déjà essayé. Oui, un puissant, redoutable néant vide. Oh pardon, mon cœur, j'ai encore divagué. Quelle était ta question? Ce n'est pas grave, madame Rosenberg. Je vous demandais juste depuis combien de temps vous viviez dans les appartements Addison. À vrai dire, je ne me souviens quand les Addison venaient de l'étranger, ont emménagé ici pour construire ce bâtiment. En vrai, ce territoire appartenait à ma famille au départ, mais j'ai décidé de la vendre aux Addison, puisque j'étais la seule qui restait. J'ai pensé qu'un peu de compagnie me ferait du bien, quelqu'un avec qui partager les angoisses de la vie. J'étais jeune et désireuse d'un nouveau départ. Quelle fille inconsciente j'étais. Vous regrettez d'avoir vendu les terres? Une vie aussi vieille que la mienne est remplie de regrets, tu sais. Bien que tout finisse par ne plus avoir de sens. Alors. J'imagine même pas le gars qui économise 100k pour un karaoké. Bah t'imagines même pas le nombre de gens qui ont 100k. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Genre, Mancina, si elle est dans les parages, en fait, elle a plus de 900. 900k. Presque 1 million. Je devrais mettre un truc à 1 million juste pour elle, quoi. Alors, à propos des Addison. Qu'est-il arrivé au reste de la famille? Vivent-ils en ville? Ils sont partis. Partis? Le temps nous prend tous, Sally. Le petit pauvre, le pauvre petit Terence et le dernier de sa famille. Oh, je suppose qu'il n'est plus si petit, mais c'est ainsi que je le vois. Comme un jeune garçon aux yeux scintillants et une tête remplie de rêves. Regarde-le maintenant, il ne quitte jamais cette foutue chambre. Ouais, pourquoi s'enferme-t-il? Il est devenu un peu fou depuis le décès de sa famille. Si tu veux mon avis, le garçon était si anéanti qu'il avait peur de sa propre ombre. Neko Bonnie, merci beaucoup pour ton 7e mois, plein de poutou à toi. Terence vénérait son père et a abandonné son rêve d'ouvrir un salon de thé pour s'occuper de ses appartements. Doucement mais sûrement, il a commencé à se confiner dans le confort de sa chambre jusqu'au jour où il a arrêté d'en sortir. Oui, malgré son caractère joyeux qu'il cache derrière sa porte, Terence Addison est aussi une personne timide. Endommagé par une vie de malheur, mais ne le sommes-nous pas tous, ma chérie? Oui, je suppose que nous le sommes. Avez-vous des fantômes? Des fantômes? Mais pourquoi t'inquiètes? Tu pour des broutilles telles que des fantômes. Sally, tu es une fille adorable. Tu me rappelles moi-même auparavant. Fais plaisir à la vieille rose. Profite de ta vie avant la fin. Ne sois pas consumé par la mort.
et ses multiples secrets. Je sais, oui, c'est très rapide et très facile de s'y embarquer. Pourquoi ne dirais-tu pas que nous sommes tous des fantômes réels, qui attendent juste de passer de ce monde à un autre, telle une fine membrane séparant l'existant et le non-existant. Avec nos frêles hauts, délicats et délicats boyaux, un tout petit faux pas peut nous faire basculer en un clin d'œil dans l'éternité. Ok, bye, Madame Rosenberg. Hey, c'est, là, tu lui parles 2 minutes et elle te parle de psychologie, là. C'est spécial, hein. Attends. Madame Gibson. Je pense que Madame Gibson me tuera si je continue de la déranger. Ok. J'adore cette mamie. D'accord. Alors, le but du jeu, là, pour le coup, c'est vraiment d'explorer chaque étage et parler à tout le monde, récupérer des objets, découvrir le mystère et ainsi de suite, tu vois. Alors, est-ce que c'est... Les personnes qui ont déjà joué au jeu, qui sont dans le chat, là, actuellement, combien de temps dure l'épisode 2 ? Philosophie, pas psychologie ? Ouais, excuse-moi, Cloud, c'est vrai. Combien de temps il dure l'épisode 2 ? 1 heure, comme le 1, ou un petit peu plus ? Je veux vraiment pas le déranger, il donne des cours de tutorat les week-ends. Il y a une chèvre. Ça dure 1 heure. Et il y a Somini qui dit 2. Ok, j'ai entendu une chèvre. Et il y a des bruits bizarres en fait. Les personnes qui vivaient ici ont déménagé après ce qui s'est passé avec Charlie. L'appartement de Charlie, j'ai le droit d'y entrer. Tout est vide. Salle de bain, cuisine, c'est un super appart. Vous imaginez en fait les gens qu'on prend un appart comme ça. Et après, tu sais qu'il y a eu un meurtre à l'intérieur. Mec, l'odeur persiste encore. Je vais certainement pas entrer là-dedans. Si tu prends ton temps, ça peut prendre 2 heures. D'accord. C'est normal, après tout, tu sais, quand tu as... Quand t'es voisin à côté d'un bâtiment comme ça, là, Tu déménages, c'est obligé quoi. Oh mon dieu. Hey Kainoun, merci pour ton 21e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors. Hey, salut sale. Quoi de neuf aujourd'hui? Je vais regretter cette voix. Hey David, vous avez déjà vu des fantômes dans le coin? C'est clair. Les fantômes de mon passé m'empêchent de fermer l'œil. Je dors à peine ici. Peut-être l'esprit de quelqu'un d'autre qui habitait autrefois. Ah Sally, faut que t'arrêtes la drogue, mec. Crois-moi, t'auras une vie meilleure. Fais pas les mêmes erreurs que moi. Qu'est-il arrivé à votre pantalon? Ah bah je sais pas, Sarah devait aller le chercher ça, mais on a causé, tu sais. On a perdu la trace du temps. Ok, bye. A plus. Salut Shaming FR, j'espère que tu vas bien. Étudiants, ils sont assez occupés, je devrais probablement pas les déranger. D'accord, il y a plein de nouveaux habitants en fait. Appartement de Chug. Chug est en bas et ses parents travaillent le week-end. Ok. Il n'y a personne. Parfait. Attends, je vais aller au bout quand même. Je visite vraiment tous les étages. Je fais pas la même erreur que dans le premier épisode. Donc là, on va aller au 4e étage. Je crois que nous, on est au 4e. Hein. Et le 5e, il a abandonné. Si j'ai bien compris. Alors, c'est mon appartement. Appartement de Robert. Il ne doit pas être à la maison. On va juste voir ce qu'il y a de la droite. Oula. La caméra a été arrachée ici. Je pense pas que quelqu'un vive ici. Peut-être qu'ils ont déménagé après ce qui s'est passé à côté. Oh, je dois aller dans mon appart. Attendez. Mon appart. Est-ce que t'as loupé des trucs au premier épisode? Probablement parce que j'ai fini le jeu à 40% apparemment. 60%. Oh, le chat qui regarde la télé. Hey Gizmo, qu'est-ce que tu regardes? Ok. Putain, le chat... J'ai vu une fois Too Much allongé comme ça dans le canapé devant la télé. De là à penser qu'il regardait vraiment la télé, tu vois, il n'y a qu'un pas. J'ai des doutes. Mais tout est possible. Ah, la litière dans les toilettes. C'est pas forcément une bonne idée parce que le chat, il ouvre comment la porte? Le chat du ghetto.
Le chat il est tranquille, pépère devant la... devant son... son émission là, on va le laisser. Hein. Il est où son père? Son père travaille en télétravail. Il a pas l'air fifou, hein, les yeux et tout là. Salut pas. Je peux pas parler là, sale. J'ai du boulot à finir. Ok, bon repas. Le pauvre. Il voulait juste parler à son père et son père a dit non. Bon. Il n'y a rien dans cette chambre. Donc on va sortir et on va partir au 5e étage. Il bosse dur. Il regarde NCIS le chat. Oh no. Prenez soin de vos parents. Et Hugo, franchement, c'est vrai. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Alors, étage en cours de rénovation pour sécurité, elle est à la sortie la plus proche. Alors, la dernière fois qu'on était venu ici, on avait vu quelqu'un. L'ambiance est spéciale de cet étage. Pas forcément un truc qu'on aime. Je peux rouvrir encore. Est-ce qu'il y a encore le squatter de la dernière fois? Je devrais appeler Larry ici pour qu'il puisse rencontrer Megan. Alors, il acceptera enfin que les appartements d'Addison sont hantés. Hé, hey, Larry, t'es là? Je suis là, quoi de neuf? Tu peux venir dans l'appartement 504? Ah, bien sûr, ma mère vient de prendre le médicament. Elle risque pas de se réveiller de si tôt. Ah, j'arrive tout de suite. Tu voulais me montrer quoi? Viens, elle est dans la salle de bain. Elle? Ah, tais-toi et viens. C'est recouvert de planches. Eh hey, mais, c'est qui Megan? On l'a pas vu dans l'épisode 1. Oh merde, c'est les chambres 5e étage, on connaît des jours meilleurs. Chut. Quoi? Attends une minute. Megan, tu es là? Y'a quelqu'un? Je voudrais te présenter mon ami. Ah, je pense pas qu'il y a quelque chose ici. Elle doit sûrement avoir peur, elle est assez timide. Mais j'arrive pas à la faire sortir ces derniers temps. J'espère qu'elle va bien. Donc tu viens dans cette salle de bain moisie pour parler à une fille morte? Tu viens souvent ici? J'ai pu lui parler plusieurs fois, mais comme je t'ai dit, je l'ai pas vu récemment. Je suis pas fou, Larry. Et je vais te le prouver. Et j'ai jamais dit que t'es fou. Aussi bizarre que ça soit, je te crois. T'es mon meilleur pote et si ça m'aide à trouver mon père, ça me va. J'ai vraiment cru qu'on pouvait lui parler aujourd'hui. Juste ce pressentiment. Eh mec, tu sais à qui tu devrais parler? À Todd. C'est probablement le gars le plus intelligent que je connaisse. Et comme toi, il est à fond dans tout ce qui est supernaturel. Je suis convaincu qu'il pourra t'aider. Todd, vraiment? J'aurais jamais pensé qu'il croirait à ces trucs. Il a toujours l'air si... normal? Rationnel? Bon, on peut dire ça, oui. Bon, je vais aller lui parler et voir ce que je peux découvrir. Ah, d'accord, je vais descendre pour m'assurer que ma mère va bien. Eh, fais-moi signe si tu trouves quelque chose. Ah, je le ferai. Ça lui va bien, cette voix, Larry. En fait, imagine... Attends, imagine, en fait, il a rencontré Megan dans la partie 1, mais tu l'as raté. Je sais pas si c'est le cas ou pas. Sûr à 100% que c'est ça. On rencontre Megan dans l'épisode 1, mais comment? J'ai l'impression d'avoir tout fait. Alors Todd, il habite à quel étage, lui? On m'a pas dit. J'ai pas vérifié, surtout. C'est pas l'étage de Chug. Probablement l'étage 3, parce qu'il y a des... c'est vide en haut. Donc, Rod a refaire l'épisode 1, 100%, pas le choix. Oh non. L'appartement de Chug, non. L'appartement de Toké, non. Attends, on va toquer quand même. On toque quand même, au cas où, parce que vous savez quoi, on n'est jamais à l'abri. De David. Et les étudiants. Ok. Peut-être que je pourrais le voir sur la boîte aux lettres, éventuellement. Troisième étage. Ah, non, David encore? Attends, j'étais déjà au troisième étage? Donc j'allais au deuxième. J'ai cru que j'étais au troisième, au quatrième, bon bref. Todd! Hey, salut Space! Ah ok, d'accord, c'est... Oh, d'accord, c'est quoi? Alors c'est un premier de la classe, quelle voix pourrait avoir un premier de la classe? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que lui, il peut parler sur le bout de la langue. Hey, désolé d'avoir mis du temps à répondre. J'ai terminé une session de tutorat avec Ashley. Vous vous êtes déjà rencontrés?
Hey, salut, je m'appelle Ash. Alors, tu dois être Salis Face. J'ai tellement entendu parler de toi. Moi, ah bon? Ouais, que de bonnes choses, je te rassure. Je suis heureuse enfin de te rencontrer. Moi aussi, enfin toi aussi. Enfin, je veux dire, enchantée de faire ta connaissance. Bon, j'adorerais rester, continuer à discuter, mais je dois y aller, hein. Allez, merci pour ton aide, Todd. Eh, pas de problème. On pourra travailler à nouveau les algèbres la semaine prochaine. Super. Je vous vois plus tard, les gars. J'espère te recroiser, Salis Face. Ouais, ça serait génial. Bon week-end, les garçons. Non, pas cette voix. Ok, je vais lui faire une meilleure voix. Ok, je lui fais une meilleure voix. Je lui fais une meilleure voix, ok. Tu lui donnes une voix de rebelle. Ça l'est perturbé. Il est... Oui, il bouge un peu dans tous les sens. Ah, ça va, Sal? Ah, tu sembles un peu anxieux. Ouais, je vais bien, très bien. Ok, qu'est-ce qui t'amène? Ash semble sympa. Elle est aussi en première année, comment elle est? À son nom complet, Ashley Campbell. J'ai craché par contre. Comme nous, elle est en première année du lycée. Et surtout, c'est une fille vraiment sympa. Elle avait des soucis en maths, donc je lui ai fait du tutorat ces dernières semaines. En échange, elle m'aide en art plastique à l'occasion. Elle semble être une bonne amie. Ouais, je suppose. Mais t'es pas venu pour me parler d'Asley, si? Qu'est-ce qui t'amène? Ah oui, je vois des gens morts. Est-ce que tu penses à Madame Sanderson? Non, non, c'est autre chose. Ce bâtiment est hanté et j'essaie d'en apprendre plus sur les fantômes d'ici. Ah, je vois. J'ai besoin de ton aide. Merci de m'avoir raconté ton histoire. Je pense que je pourrais t'aider dans ton exploration du paranormal. Plus précisément, je soupçonne une apparition qui réside dans ma salle de bain. Vraiment? Oui, c'est quand même une drôle de coïncidence que ta Mégane et mon apparition se trouvent dans la salle de bain. Cependant, il se pourrait également que les conduites d'eau agissent comme une sorte de connecteur pour eux. Mais ce n'est qu'une hypothèse de ma part. Tu vois la cartouche de Gearboy pas avec toi? Ouais. Parfait. Allons voir la salle de bain. Alors, que fais-tu habituellement quand tu appelles Megan? Est-ce que la Gearboy s'allume toujours lorsqu'elle est à côté? Elle ne s'allume pas toujours. D'habitude, je commence à lui parler. Parfois, elle apparaît, parfois pas. Ok, vas-y, essaye le même truc que tu fais pour qu'on puisse invoquer. Bonjour, il y a quelqu'un parmi nous? Nous n'allons pas te faire du mal, nous sommes tes amis. Bonjour, il y a quelqu'un? Rien ne se passe, et la console ne s'allume même pas non plus. Ah, j'ai une idée, fais-moi voir. Je pense pouvoir modifier ta Gearboy pour mieux détecter les coins supernaturels. Ah, cool, bonne idée. T'aurais besoin de deux choses pour effectuer la modification. Premièrement, j'ai besoin de quelque chose qui amplifie la réception du dispositif. Et deuxièmement, quelque chose qui renforce son potentiel électrique. Donc comme une antenne et une batterie? Ouais, voilà, rejoins-moi dans ma chambre quand tu auras terminé. La pire invocation, ouais, j'avoue. Hé, hey, fantôme, t'es là? Antenne et batterie, mais je trouve ça... Les parents de Todd sont à l'intérieur, je vais pas les déranger. Surtout, je vais pas les voir. Je suis en mode... Je comprends rien. Todd! Bob! Alors, j'aime bien ton poisson. Eh, c'est Bob, je l'aime bien. Mes parents, ils disaient que j'avais plus besoin de nature dans ma vie pour faire contrepoids à toute cette technologie, comme ils disent. Ouais, Bob, c'est un poisson... incroyable. Et... Est-ce que ça fonctionnera pour la réception? Ah, talkie-walkie. Cette antenne est un peu trop petite pour notre cause. Carte clé? Bien que la carte a des marques magnétiques, je crains que ça ne fonctionne pas. Boîte puzzle. C'est une boîte intéressante, mais on a besoin d'un truc plus long et bien plus fin. Est-ce que ça fonctionnera pour le courant? Bien que la carte a des bandes magnétiques, je crains que ça ne fonctionne pas. Oui, la batterie de ton talkie-walkie marchait parfaitement. Bien vu, Sally. Ok, donc... je reviens. Alors du coup... J'ai utilisé la batterie de mon talkie-walkie. Mais j'ai plus de talkie-walkie. Je suis en PLS. Fallait revenir lui parler. Ouais, alors juste pour un objet, parce qu'il me manque quand même un objet. Pour faire l'antenne. Parce que j'ai quand même fait toutes les, tous les appartements. Et j'ai pas eu un bâton.
On va aller voir Larry parce que j'ai plus de Tokiwoki. Peut-être qu'il va me dire « mon Tokiwoki, frérot, qu'est-ce que t'as fait ?» L'antenne de la radio. Eh, ça te dérange si j'emprunte l'antenne de ton scanner? Eh, non, pourquoi pas? Putain. Oh là 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 là. Allez. T'as pas déjà fait le jeu en vidéo? Bah, si, j'ai fait la première partie. J'ai pas fini le jeu. J'ai fait l'épisode 1, il y a 5 épisodes. C'est bon, on a trouvé l'antenne. On peut donc le donner à Todd. Allez, vas-y, tiens. Est-ce que ça fonctionnera pour la réception? Oh oui, ça convient parfaitement. Avec les deux composants que t'as récupérés et mon équipement, je peux maintenant effectuer les modifications à la Gear Boy dont je parlais plus tôt. Donne-moi quelques instants. Pas trop tôt. Hey! Pas gentil. Ok, tout est prêt. Admire la Super Gear Boy. Cool. Oh, t'inquiète pas, tu peux encore jouer avec. Elle se mettra en mode chasseur de fantômes seulement quand il y aura cette cartouche étrange à l'intérieur. Oh, oh super, tu m'as inquiété pendant une seconde. Cependant, j'avais besoin de quelques pièces de ton Tokiwoki et je ne pouvais pas les remplacer. J'espère que ça t'embête pas. Larry risque de pas être content, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Parfait, maintenant, pour avoir des résultats optimaux, il faut que tu tiennes l'appareil avec l'antenne complètement sortie. Et pour ce faire, appuie sur le bouton Y. L'écran brillera et s'il détecte des fréquences paranormales à proximité. Pendant que ça brille, appuie sur le bouton R pour qu'il libère une décharge électrique. Si ma théorie est bonne, alors la charge électrique fournira une source d'énergie suffisante pour dynamiser les apparitions aux alentours et possiblement d'autres éléments supernaturels. Ok, je pense avoir compris l'essentiel. Je suggère qu'on fasse un test dans ma salle de bain. Bonne idée. Ah, quand tu es prêt, tiens la Super Game Girl. Bref. Peut-être que... Ça a marché ? Bordel de merde ! Bonjour, qu'est-ce qu'il y a ? J'aurais... Attendez, on va mettre de l'écho. J'aurais jamais cru qu'il les tuerait. Je... Tout est de ma faute. Qui ça ? Stacy et sa fille. Oh mon Dieu, quel idiot j'ai été de tomber amoureux d'une femme mariée. Ce n'est pas un crime de suivre son cœur. Tu dois être un romantique comme je l'étais. C'est gentil de me dire ça. Mais j'ai compris la leçon, moi. Nous voulons vous aider. Vous n'avez pas quitté ce lieu ? Nous ne pouvons pas partir. Que vous voulez dire ? Vous êtes en captivité ? Qu'est-ce qui vous empêche de partir ? Avez-vous vu un démon aux yeux rouges ? Pouvez-vous nous en dire ? Non, 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 non ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il est là ! Qui ? L'homme aux yeux rouges ? Celui qui a tué Stacy, sa fille ? Je dois y aller ! Je suis désolé ! C'était une apparition complète et consciente. J'ai jamais vu une chose pareille. Ça va ? Ouais, ça va. C'est une chose de lire les paranormales, formuler des théories, mais toute une autre d'en faire l'expérience. Je vois ce que tu veux dire, c'est beaucoup à encaisser. Eh bien, on a encore du boulot. Je pense en avoir eu assez d'adrénaline pour aujourd'hui. Alors je m'arrête là et je continue les recherches de mon côté. Je fais regarder les archives des appartements d'Addison pour voir s'il y a des choses sur les anciens locataires et de supposés maîtres. Ça nous aiderait beaucoup. Pendant que tu fais ça, je vais chercher d'autres coins surnaturels. Parfait. Oh, d'ailleurs, j'ai remarqué que l'électricité statique inhabituelle autour de la cartouche. Tu devrais vérifier que tout est... Il sait plus parler, hein. Tellement dramatique. Oui, il y a eu un truc dans le miroir aux yeux rouges. Wait. On peut jouer à la Game Boy.
Chapitre 1 verrouillé, chapitre 2 verrouillé, chapitre 3. Il ne comprenait pas ce qu'il attirait dans cet endroit, mais il ne pouvait pas empêcher ses pieds de suivre le sentier de terre devant lui. C'était peut-être simplement de la curiosité, ou peut-être était-ce le destin. Ça fait penser à FNAF un peu, quand on peut jouer comme ça. Parler. Désolé, réservé aux membres. Non. On va aller à droite alors. Écoutez, on dirait que quelqu'un pleure. Je devrais aller vérifier que si tout va bien. Oh non, on dirait Zelda, ouais. Toutes ces pièces se ressemblent. Quand t'entends le bruit, faut y aller. C'est comme dans Zelda. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Bonjour madame, vous allez bien? Qui êtes-vous? Pardonnez ma rudesse. Madame, mon nom est Grégory Montague. Je ne voulais pas vous déranger. C'est juste que j'ai entendu que vous pleuriez et que je voulais savoir si tout allait bien. C'est gentil. Je suppose que vous n'êtes pas avec les hommes de cette église. Non madame. Tant mieux, c'est terrible ce qui se passe ici. J'en dors plus. Je commence à avoir peur pour notre sécurité à ma fille et moi-même. J'ai essayé de les raisonner, j'atteins mes limites. Je comprends, j'ai perdu de ma famille l'année dernière dans l'incendie de l'usine. Ça me brise le cœur de voir une femme telle que vous anéantie. J'aimerais vous aider du mieux que je peux. Dites-moi juste ce que vous désirez. C'est vraiment trop gentil, monsieur Montague. Je suis sincèrement désolé pour votre famille. Appelez-moi Greg. Enchanté, Greg. Je suis Stacy Holmes. Vous n'auriez pas vu venir un meilleur moment. Vous devez être un ange. Juste un noble fermier, heureux de pouvoir... être utile à des gens comme vous. Le plaisir est pour moi. Ouais. Je suppose en fait que je vais déverrouiller en fait de l'histoire comme ça et ça va nous donner en fait une histoire supplémentaire. Donc là on a le chapitre 3. Mais on verra bien pour le reste. Je me demande vraiment qui est le méchant. Oh ben c'est un méchant pas très gentil. Ok alors si c'est que ça brille uniquement, je comprends pourquoi ça marche pas. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Ok. Bon, voilà, c'est quand ça... c'est uniquement quand ça brille. Ok, très bien. Bon, bah ça m'arrange. Alors, je vais d'abord... Ah non, faut que j'aille voir la photo du papa. Je pense que de toute façon, il faut que je parle à Larry pour lui dire qu'on peut essayer de chercher son papa. Est-ce qu'on vient pas de réveiller un fantôme méchant avec le signe bizarre? Aucune idée. Regarde la Super Gear Boy. Hey, Todd a fait ça, c'est incroyable. Et hey, attends, c'est mon Tokiwoki ça. Ah oui, il avait besoin de pièces pour bricoler. J'espère que ça te dérange pas. Je peux nous en trouver de nouveau. Merde. Bon, tant pis. J'espère que ça nous aidera à savoir plus sur ces fantômes et ma malédiction. Ça marche. Hasta la vista, Sally. Je vais retourner à la chambre. tous les épisodes sont sortis, oui. Oui, oui. En vrai, on peut littéralement faire plusieurs lives d'affilée sur Sally. Mais je le ferai pas parce que je veux faire plusieurs jeux aujourd'hui. Donc là, on va bientôt s'arrêter d'ailleurs pour celui-là parce que ça fait à peu près une heure. Je joue encore 15 minutes parce qu'on avait galéré un petit peu au début. Alors maintenant, on est dans la petite maison. La petite maison en bois. Et oui. Sal! Qui êtes-vous? Êtes-vous Jim Johnson? Non, Sal! Est-ce Pardon, j'ai du mal à vous entendre! Pardon, il y a eu beaucoup de temps sans toi de balles rouges! Comment ça? Qu'est-ce que vous êtes? Je dois y aller maintenant, le pont disparaît, n'oublie pas! Balles rouges! Je vais pas me mourir, je te reviendrai.
pile quand je pensais m'être habitué à voir des fantômes. Qu'importe ce que c'était. Ma vie est bizarre. Alors, du coup, ce qui va se passer aussi, c'est que je vais éventuellement aller voir le chapitre 2. Chapitre 2 qui était disponible. On a tout compris. Eh, le fantôme n'avait pas beaucoup de connexions. Chapitre 2. Et la mystérieuse vieille femme fixa encore une fois les yeux sur Jim et dit « Si tu trouves la porte que cette clé déverrouille, nous partagerons les secrets de l'univers avec toi. » Alors t'as Jim, il fait « Ok, alors je vais activer la petite interrupteur et je vais pouvoir passer en fait la maison. » Ok. En fait, ils ont voulu mettre du gameplay de jeu 2D et ils l'ont fait d'une manière assez intelligente, c'est-à-dire en mode petit jeu comme ça dans le jeu. Parce que, aïe, s'ils avaient sorti le jeu directement comme ça, les gens, ils auraient pas joué, tu vois. Ils auraient fait « Oh, bah, il est nul, votre jeu. » Par contre, ils l'ont sorti avec un style différent, tu vois. Ce qui... Attends, il faut que je me concentre parce que j'ai parfois du mal à gérer la proportion du personnage. Genre, sa tête peut traverser le laser, mais pas le reste, tu vois. Donc on va arriver à l'autre côté, on va ouvrir ces boutons, on va passer tout ça. Vous allez voir, en fait, je gère parfaitement les vieux jeux, moi, ok? Vous n'avez pas l'impression? Mais c'est le cas. Bon, si je veux sortir, c'est par là. Fuck! Bon, on finit par y arriver, hein. Mais ouais, ça me fait penser un petit peu... Vous rappelez dans FNAF Security Breach? Ou dans tous les FNAF, de toute façon? Il y avait toujours des petits passages comme ça, un peu en 2D, là, c'était rigolo. Attends, c'est au milieu. Au milieu encore. Non! Oh non. Le bouton est appuyé, c'est bon. Heureusement qu'il n'y a pas de vie, hein. Oh, t'imagines, il y avait de la vie. Genre, je meurs au dernier moment, quoi. Ah, c'est horrible, hein. Ok, chapitre déverrouillé, parfait. C'est bon, ça c'est fait. J'imagine même pas Seroth jouer à la Switch. Bro, on a terminé en live The Legend of Zelda. Qu'est-ce que tu racontes? C'est écrit dans le titre du live. Oui, je sais plus ce que j'ai écrit, mais oui, c'est écrit dans le titre du live. Faut que j'aille voir Larry, en fait, pour lui dire ce que j'ai vu. En gros, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir la Game Boy tout le temps. Éventuellement, essayer de capter des choses ici et là, tu vois. On sait jamais. Ça peut être pratique. À tout moment. Je peux pas lui parler. Oh non. Qu'est-ce que je peux faire? Rechercher les coins supernaturels. Ah d'accord, c'est tout ce que je dois faire. Donc je dois aller partout avec mon... Je dois juste aller partout avec ma Game Gear là. Et chercher des endroits chelous. Alors clairement il doit y en avoir aussi dans le... Attends. On va aller partout. Mais genre partout partout. Ah! Mais qu'est-ce que... Ah j'ai eu chapitre 6. Bon, on va d'abord les récupérer, on va pas faire tous les chapitres à la suite. Hein. On va d'abord récupérer les chapitres. On les aura au fur et à mesure, tu vois. Donc, on va y aller. Hop. Tu es pardonné, mais bien sûr, tu es pardonné, t'inquiète même pas. Je vais jamais en vouloir à quelqu'un parce qu'il a pas vu mes lives, hein. Mais par contre, quand quelqu'un dit « J'imagine pas Seroth jouer à ça », je suis en mode « Bro, je joue à tout. Je dois jouer à plus de jeux que toi, en fait. » Legit. Legit, hein. On va aller chez Madame Rosenberg. Peut-être qu'il y a des choses. Oh mon dieu! Quel est cet horrible engin que tu as?
C'est compliqué à expliquer. Tu devrais pas toucher à des choses que tu ne comprends pas. Bon, je devrais retourner voir Todd. Des fois qu'il aurait trouvé quelque chose. Bro, Madame Rosenberg, elle fait peur. C'était une gentille madame. On est de la matrice. Ouais, je sais pas où on est, mais c'est pas ouf, hein. On va chez Todd. Il y avait un signe de Game Boy en haut, non? Oui, en fait, ça veut dire que j'ai deux chapitres débloqués, là. J'ai le 1 et le 6, je crois. Mais je fais bien de vérifier partout, en vrai, tu vois. On sait jamais. Ah, c'est étrange, mais je ne trouve aucun rapport sur les meurtres passés. Le seul existant, c'est celui de notre ami Farley. Mais regarde la photo de son casier judiciaire. C'est pas lui. Mais qu'est-ce que... C'est de plus en plus bizarre. Il n'y a aucune trace des officiers présents le jour où Madame Sanderson a été tuée. Même pas dans les rapports de police classifiés. C'est comme s'il n'était jamais venu ou qu'il n'avait jamais existé. Comment c'est possible? Je suis pas complètement sûr, mais j'ai trouvé une chose intéressante. C'est un cas de disparition en 1987. Megan Holmes, âgée de 7 ans. Elle vivrait dans les appartements d'Addison avec ses parents Luke et Stacy. Elle semble correspondre à notre amie du 5e étage. Elle doit être à la fuite dont Greg, de ma salle de bain, nous parlait. L'histoire se tient, n'est-ce pas? Mais c'est aussi ici que les choses bizarres reprennent. Il y a eu une mise à jour du rapport un jour après que l'original ait été classé. Disons que la fille a été retrouvée morte dans le lac de Wendigo, c'est à quelques miles du sud, avec ses parents. Ça dit qu'ils sont partis PC, mais qu'ils sont jamais tombés dans la rivière et sont noyés. À cause d'une coulée de boue ou un truc du genre. C'est clairement elle. Attends une seconde. J'ai déjà vu ce collier auparavant. Je sais que je l'ai vu. Elle ne le porte jamais quand je lui parle, mais je l'ai vu ailleurs. Puisque tu n'as pas réussi à l'invoquer, même avec la Super Gear Boy, peut-être que trouver ce collier pourrait nous aider. Ça se tient, c'est un objet avec lequel elle a eu une connexion quand elle était vivante. Maintenant, je n'ai plus qu'à me rappeler où j'ai vu cet objet. God damn it. Où est-ce que j'ai vu cet objet? C'est une croix. Ok. Faut trouver le collier de Megan. Ça peut être rapide comme ça peut être long. C'est le début des mystères de Scooby-Doo. J'avoue. Gars, je vais scanner toutes les zones de la maison. Je suis déjà allé dans la salle de bain normalement. Alors attendez, ici c'est quoi les étudiants? Il y a encore une chèvre ici. J'entends une chèvre dans cette porte. Il y a des choses bizarres qui se passent ici, les amis. Allez, j'y vais. Il y a forcément un fantôme dans cette maison. Madame Sanderson peut-être. C'est obligé qu'il y en ait un ici. Ok, nickel. Comme il dit quoi? Il y en a peut-être même deux, tu vois. Non, qu'un seul? Non, il veut pas aller dans la salle de bain, mais bon. Dans la salle de bain d'ici, je suis sûr qu'il y a des trucs. Obligé. Obligatory. Because I speak English, you know. You know everything? You know everything I don't know? Everything I know, you know. I know? On veut pas parler ici. Ok, on va scanner ici. Que dalle. Peut-être qu'il y a rien dans les couloirs, en fait. Dans les couloirs, il y a peut-être rien. Peut-être qu'il y a un fantôme, par contre, dans notre maison. Ok, super. Bon. Un autre endroit où je devrais scanner, ce serait aux environs de la boîte aux lettres, etc. On va d'abord aller au 4e étage. Mais je suis sûr que aux environs de la boîte aux lettres, peut-être qu'il y a quelque chose à scanner, tu vois. On va scanner notre maison. Est-ce que notre chat, il est louche, tu vois? Y a rien. Y a rien dans la maison. Si, au passage, est une bonne nouvelle. Tu utilises un appareil qui dit qu'il y a des fantômes et qu'elle fonctionne pas chez toi, c'est une très bonne nouvelle. Bon, là, c'est l'endroit où je dors. Ok, il n'y a rien dans ma chambre. C'est bon, ça rassure. Ça rassure. C'est Rock qui invoque les démons. C'est un peu ça, en fait. Alors, est-ce que dans la chambre de papa, il y a un truc? Non, il n'y a rien dans sa chambre.
Par contre, il prend beaucoup de médicaments. Bon, bah allez. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il demande? Pokémon? Est-ce qu'il a fait d'autres jeux Switch? En live, j'ai juste testé Pokémon Arceus et Kirby, effectivement. J'ai fait aussi le début de Pokémon épée. Sauf que mais hors live, j'ai fini Super Mario Odyssey. Je joue à Mario Galaxies, etc. J'ai plein de jeux sur Switch, en fait. En ce moment, j'ai même lancé Skyward Sword sur ma Switch. Et j'aime beaucoup. Il est vraiment cool. Voilà. Salut, Wolf. C'est vrai, il touche à tout. Ah oui. Je joue à quasiment tout. Sans nous. Ouais. Bah ouais, parce que quand je joue avec vous, vous êtes jamais content. Parce qu'il faut absolument que je joue comme vous voulez que je joue et tout. Enfin bon. Quand on dit qu'on joue tout seul, ben je fais comme je veux, voilà. J'invoque des démons en live, ça s'est mal passé. Ah. Forcément, ça se passe pas toujours bien. Il y a une ambiance ici. Il nous abandonne. Nah. J'abandonne personne. Yes, oui, gentil. Bon, c'est pas ici, les gars. On va aller à l'entrée. Y a rien de ce côté-là, ok? On a bien scanné la zone. On n'a rien vu. On va aller au premier étage. On va aller au premier étage et on verra bien ce qui se cache en bas. J'aurais pas le courage de scanner chez moi, je dormirai plus. Ah bah il faut bien scanner chez toi, hein. Non, y'a rien aux boîtes de lettres. Y'a plus rien. Bon, je pense qu'il y a peut-être plus rien à scanner et il faut tout prendre dans le... Là, en fait, il faut peut-être que j'aille aux objets perdus. Éventuellement pour voir si je trouve le collier. Mais sinon, je vois pas où je pourrais trouver le collier. Je l'ai pas vu sur Madame Gibson. J'ai pas vu... On va retourner chez Madame Rosenberg, elle va dire « Putain, on vient tous les jours, c'est jeune !» Maintenant, elle a pas de collier. Et je ne vois pas de collier dans la pièce, à part des petits chats. Il y a des petits chats. On va descendre. Peut-être que je peux parler aussi à Monsieur Addison, pour en savoir un petit peu plus. Donc lui, il a rien. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, c'est là. Je savais que j'avais vu ce collier quelque part. Bah maintenant, Larry pour voir, pour Megan pour sûr. Bon bah voilà. Les gars, on a trouvé le collier, ça va. Eh bah fais ton tour de passe-passe quand t'es prêt. Megan, tu es avec nous? C'est mon ami, Larry. On a des questions à te poser. Salut. Salut Spice. Oh bordel de merde. C'est pas très beau comme mot, Larry. Faut pas lui en vouloir, Megan, c'est la première fois qu'il voit un fantôme. Ça va, mon père a dit des vilains mots aussi des fois. Alors, où tu étais dernièrement? Comment ça, je suis là depuis le début? J'essaie de te contacter. Je pense que quand tu es en vie, tu ne peux pas voir l'autre côté. L'autre côté? Oui, c'est ici que nous vivons, c'est comme chez les vivants, mais un peu différent. Tu connais un certain Greg? Ouh, tu veux dire l'ami de maman? J'aime bien Greg, il m'apporte toujours des bonbons. Te rappelles-tu d'autre chose à propos de lui? Juste qu'il était gentil, qu'il m'apportait toujours des bonbons. Oh, et que mon papa l'aimait pas trop. Mais je sais pas pourquoi. Tu veux parler de tes parents? Ma maman me manque. Elle ne parle plus maintenant. Et ton papa? Papa me fait peur. Il fait peur à tout le monde ici. Mais il a pas toujours été comme ça. Il était gentil comme maman. Que s'est-il passé? Je me souviens qu'ils se sont disputés, et après il était triste. Et sa tristesse s'est transformée en colère. Tu te rappelles de tes derniers jours? Je sais pas. C'est tout flou là. Tu faisais de la pêche au lac Wendigo? Non, j'ai jamais pêché avant. Mais des fois, mon père y allait avec Monsieur Johnson. Ah, attends, mais Jim Johnson? Oui, comment tu sais? C'est mon père! Oh, alors nos pères étaient amis. Tu peux me dire où il est? Tu sais d'autres choses à propos de lui? S'il te plaît, je dois savoir. Je suis désolé que tu aies perdu ton papa. Je sais pas où il est. Je sais juste que Monsieur Johnson et mon papa partaient beaucoup pêcher.
Je suis désolé. C'est ton collier ? Eh oui, où as-tu trouvé ça ? C'était en bas, au fond, dans la boîte des objets trouvés. Ma maman m'a donné ce collier. Elle était effrayée. Elle m'a dit qu'il me protégera du mal de ce monde. Sais-tu où se trouve ta maman maintenant ? Elle est dans sa chambre ? Mais elle ne m'écoute plus. Je pense pas qu'elle puisse m'entendre. Tu crois qu'elle... Oh oh. Quoi ? Papa arrive. Il aime pas quand je parle aux gens. Je dois y aller. Bye bye. Eh attends, je... Merde. Ouais, il reste jamais bien longtemps. On va devoir entrer dans cette chambre, mais c'est barricadé. Tu pourrais nous trouver des outils ? En fait, David a trouvé a emprunté le pied de biche de ma mère. Il a jamais rendu. Ça te dérangerait pas d'aller le chercher ? Je lui ai demandé 3 fois déjà, il a trouvé toujours des excuses. Peut-être que tu auras plus de chance. Bien sûr, je vais descendre au 3e étage maintenant et voir ce que je peux faire. On va voir. Tu fais un chapitre de Megan ? Est-ce que tu peux faire le chapitre de Megan ? Bah, je ne sais pas. Je sais pas, j'ai jamais vu son chapitre en fait, je crois. Larry reste seul ici, ouais. Il t'arrive. Alors, maintenant on va aller au 3e, voir David. Et avant de voir David, on va lire, on va regarder les trucs qu'on a débloqués. Jouer. Parce que du coup, on en a débloqué plein. On a débloqué chapitre 1, 5 et 6. Ok ? Chapitre 1. Elle cherchait désespérément une place au sein du conseil. Donc la sorcière a visité les profondeurs du château pour son épreuve d'initiation. Récupérer le livre des vérités oubliées. Bon, du coup, c'est une sorte de labyrinthe avec des pics. Il faut éviter de toucher les pics. Moi, j'ai du mal avec avec la profondeur d'action. Je me trompe tout le genre. C'est pour ça que vous m'avez vu mourir plusieurs fois. Même quand je joue à Zelda, etc., ça m'arrive. Oh no. Parce que quand il faut rester très précis avec, avec cette maniabilité-là, j'ai toujours du mal. Alors, si en hauteur, je peux éventuellement toucher, c'est pas vraiment forcément le cas sur les côtés. Prendre le livre. J'ai récupéré le livre des vérités oubliées. Vois-tu ma valeur à présent ? Le conseil reconnaît la belle détermination que tu nous as montrée aujourd'hui. Que ce livre témoigne de ta place parmi nos rangs à partir de maintenant. Que nos vues percent les cieux et que notre portée soit infime et éternelle. Car nous sommes les dévoreurs de Dieu. C'était rapide celui-là. Chapitre 5. Son temps de jeu fut interrompu par le soleil couchant. À ce moment, la jeune fille réalisa qu'elle était allée bien trop loin, dans ces bois qu'elle connaissait mal. Oh non, elle est perdue, du coup elle va aller... Elle va aller à droite. Mais ça c'est... Du coup c'est Megan, vous pensez ? Bah... Je sais vraiment pas comment faire les gars. Oh ! Où étais-tu mon ange ? Je me suis inquiété ! Pardon maman, j'ai perdu mon chemin, il faisait tout noir et... Chut mon ange, tout va bien, tiens prends ça. Le collier de mamie, il te protégera de la méchanceté de ce monde comme tu n'auras plus à avoir peur. Mais, et papa, il n'est pas obligé de savoir et ce sera notre petit secret. Mais il était difficile ce chapitre. Le jeu t'a dit game over. Une jeune occultiste s'est perdue dans les entrailles du château alors qu'elle cherchait les derniers éléments que le conseil lui demandait. Ça demande de la dextérité, les amis. En plus, c'est labyrinthique, donc du coup, vas-y, démerde-toi, quoi. Parce que là, je vais à des endroits, je sais pas si c'est là où il faut aller, tu vois. Alors, peut-être que... Bon, gauche, c'est bon. Ok, on va aller en haut alors, du coup. Je sais pas, en fait, combien d'objets je dois récupérer. Ok, haut c'est bon, haut gauche c'est bon. Donc on n'a plus besoin d'aller là-bas normalement.
Alors, j'ai... Ah, c'est ici que ça se place. Ok, d'accord. Est-ce que ça se rejoint? Oui, ça se rejoint. Donc, du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer à droite. I guess. Ah, non! Heureusement qu'on... franchement, heureusement qu'on redémarre ici. Donc, il n'y a pas de vie, mais imagine que le jeu était en mode très méchant. Ça aurait pas été drôle. Oula. J'ai... Aïe, aïe, aïe. Hey, ils sont plutôt sympas avec les hitbox, en vrai. Ça pourrait être pire, et franchement, le jeu est assez sympa. Parce que j'aurais... plusieurs fois, j'aurais pu avoir des game over. Et j'en ai pas eu. Là, je suis concentré, les amis. Je suis désolé, je ne parle plus. Ça vous rappelle le live sur Security Breach ou pas? Où on faisait ça à chaque fois. On faisait des petits jeux, j'arrivais pas à les faire. J'ai récupéré les objets restants. Très bien, les préparatifs sont maintenant complets. Reste à l'intérieur du cercle pendant qu'on effectue la vocation. Je comprends. Oh boy. Oh boy. Il me reste que 3 chapitres en fait, ça va. Ça va en vrai. La Xbox est light. Oui, encore heureux, hein, parce que ça aurait été dramatique. Hein. Allez. Ah, quoi de neuf, frérot? Je peux t'emprunter votre pied de biche? Ah, je te prêterai bien, mais c'est le seul truc qui soutient mon étagère. Tu vois, les gamins du 300, ils sont gentils et tout. Et parfois, ils organisent des teufs bruyantes. Ça secoue tous les murs et mon étagère s'est écroulé. Si tu pouvais leur dire à ma place, je pourrais te prêter mon pied de biche. D'accord, je vais leur parler. Merci, sale, je le ferai bien moi-même, mais j'ai pas de fringues propres. Tu vois, je déteste le vieux rabat-joie. C'est pas un souci, je reviens tout de suite. A plus. Ah, je peux rentrer dedans maintenant? Là, dans ce genre de jeu, en fait, on rentre de façon totalement... illégalement dans les appartements des gens. Excusez-moi, mademoiselle. Je viens juste scanner votre maison pour voir s'il n'y a pas de fantômes. On sait jamais. Donc, je vais parler d'abord à Sierra. Hey, salut Sierra, qu'est-ce que tu fais de beau? Oh, salut Space, j'envisage une autre activité pour la soirée de ce soir. Mes amis et moi, on aime généralement faire notre propre truc, mais là j'ai du mal à choisir. Tu permets que je regarde la liste? Bien sûr. Alors, D plus D, je sais pas, soirée cinéma, jeux vidéo, tournée d'échecs, karaoké, débat. Moi je dirais tournée d'échecs. Ah ça alors? Ça fait un moment qu'on n'a pas fait un tournoi, c'est parfait pour ce soir. Hey CJ? Oh, quoi de neuf, sale? Hey CJ, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de choisir la musique de notre soirée. Ça te dérange si je jette un œil? Vas-y, petit gars. Salut Rémi. Hey, tranquille cette musique. Bonjour à tous et bienvenue sur RFM TV. RFM TV, votre radio du bonheur. Je vais d'abord appeler Rémi pour la petite valise, la valise RFM. Et ça alors? Ben ce mec, je pense que ça endormirait tout le monde. C'est le but. Salut Zed, quoi de beau? Yo, Sally Space, j'essaye de choisir un jeu pour la fête de ce soir. J'ai ce petit livre de jeu, mais je ne sais pas. Je peux regarder? Bien sûr. Musical Chair, Charade, Duck Duck Moose, Dodgeball, Téléphone. Téléphone, les gars. Ce jeu, vous en dites quoi? Tu sais quoi, ça me rappelle l'école primaire. Ça touche de nostalgie pour être exactement ce dont cette fête a besoin. Merci, Sal. Bon, j'ai choisi tous les trucs qui sont très silencieux. Donc ça devrait aller. Peut-être la moitié... Ouais, peut-être, on verra. Voilà. Quoi de neuf, frère? Oh.
Je peux prendre le point de biche. Ah, je pourrais bien même, mais tu vois, les gamins, ils sont tout gentils. Oh non. Je pense que peut-être la musique était pas bonne. La musique, il était pas content. On va mettre le smooth. Et ça alors? Non, c'est pas vraiment mon truc. Oh, il est chiant. Merci Zaxwix pour ton prime, c'est très gentil, merci à toi. Et ça alors? Ça pourrait être intéressant, c'est inattendu, c'est classe. Je pense que ça pourrait marcher. Bah c'est bon. Je pense que c'est bon, leur fête devrait être beaucoup plus calme cette fois. Ah non, je faisais que des activités calmes du coup. Bon, ma musique que j'ai choisie en premier était mieux. Hein. Ah, voilà. J'ai prévenu les étudiants, ils feront moins de bruit pour la prochaine fois. Ah ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Merci Sarah, elle sera contente aussi. La dernière fois que... J'ai oublié sa voix. Content d'avoir pu aider. D'accord, je vais te donner le pied de biche, alors attends. J'ai oublié sa voix. C'est ça le problème, ça me rappelle Undertale. Quand j'ai fait Undertale, au bout d'un moment je fais... C'est quoi encore la voix de ce perso? Eh tiens, mon petit, fais attention à toi. Merci à vous aussi. Étage 4. Salut Estré, comment tu vas? Bienvenue sur les lives. C'est la voix des SDF. Ouais, mais j'ai totalement oublié, faudrait que je regarde ma vidéo. Ici, je suppose que je peux utiliser le pied de biche pour rentrer. Peut-être que je trouvais quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Et on entre par effraction, les gars. On entre par effraction. Y a rien ici, ok? Je suppose que je peux utiliser le pied de biche pour rentrer à l'intérieur. Pourquoi je pouvais pas entrer? Il a utilisé pied de biche deux fois. Bip 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 bip. Oh you, Madame Sanderson. Oh, elle parle avec sa gorge. Qui êtes-vous? Je m'appelle Sal, j'ai emménagé ici après votre décès. Oh, je m'en souviens pas trop. Tout est flou comme si je me réveillais d'un rêve. Sais-tu ce qui est arrivé à mon Herman? Il ne pouvait pas supporter de revenir dans cette pièce. Des déménageurs sont venus et ont tout enlevé pour lui. Il avait l'air tourmenté, démoralisé. Vous deviez signifier le monde pour lui. Il me manque tellement. Cette froide isolation est tortueuse. Si seulement nous n'avions jamais déménagé dans cet endroit. Il ne les aurait jamais rencontrés. Et Charlie n'aurait jamais... Oh non, il revient. Pas d'inquiétude, Madame Sanderson. Allez vous cacher. Au revoir, Sal. J'ai libéré le chapitre 8. Ok. Bon, j'ai pu parler au moins avec Anderson. Et je peux éventuellement regarder aussi le chapitre que je viens de débloquer. Chapitre 8. Le 8 avant le 7, hein. Après avoir appris dans quoi Herman s'était impliqué, Madame Sanderson a demandé de l'aide à un ami. Ils avaient prévu de se retrouver plus tard dans la nuit. Passe une bonne journée au travail. Promets-moi de ne pas t'attirer les ennuis, chérie. Promis ! Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi. Je dois d'abord recueillir des preuves si personne ne me croit. Oui ! Je vais éviter la secte ! Oh no ! Faut éviter la secte. Oh non, oh non. On évite la secte. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh non! Merde, putain, vous êtes sérieux. Ils ont des mouvements... Mais non! Ils ont des mouvements aléatoires! Ils font pas que des va-et-vient, ils vont dans tous les sens. C'est pas juste. Ils sont légèrement attirés par moi aussi. C'est bon, j'ai le livre. Et maintenant, je dois revenir. Oh, non. C'est pas facile tous les jours.
d'esquiver la secte. On doit esquiver la secte. C'est bon. Eh, ce n'est pas le bon moment pour parler. Tu peux revenir plus tard. Oh, Charlie, mais qu'est-ce qui t'a pris? Oh non. Après avoir récupéré le livre, Charlie est revenu et a défoncé sa porte. Donc Charlie, en fait, il était pas méchant, il était juste possédé. Donc je dois retourner, moi, au cinquième étage. Je dois lui dire ce que j'ai trouvé, je pense, à Larry. Je crois que Larry est resté là-haut, hein, on est d'accord. Ah oui, il y avait une porte ici aussi, j'avais oublié. Je vais pouvoir retirer les planches. Let's go. Parfait. On va enquêter ici, esprit, êtes-vous là? Oh oui. Oh oui, il y a plein d'esprits ici. Oh, il y a un trou dans le mur là. On n'aime pas ça. Allez. You! Stacy? Tu vas bien? Non, elle va pas bien. Et j'ai eu chapitre 4. On va aller regarder tout de suite. Je crois qu'elle a pas aimé ça. MDR, vous êtes inventif? Ouais, c'est bien gore, ouais, totalement. Inventif pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, Estrée? Allez, chapitre 4. Lorsque son mari a découvert ses indiscrétions, Stacy savait qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Craignant pour sa vie, elle s'est tournée vers un allié improbable. D'accord, elle a dit que je devais couper les lignes électriques à chaque étage. J'espère qu'on y arrivera. Ah, je suis au cinquième étage. Je dois d'abord couper l'électricité. Je suis au cinquième étage. En fait, ça représente vraiment l'appartement. Coupé! Alors maintenant, quatrième. La 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 la. Genre, on peut prendre l'ascenseur quand la ligne de courant est coupée? J'y crois pas, moi. Ah! Non! Faut que je recommence tout! Ce jeu est fourbe! La fourberie de ce jeu! Oh non! Oh non! Deux! Il y en a plus! Il y en a plus! S'il me touche, je meurs! Oh! Oh! J'ai fait une feinte, les gars. C'est bon ou pas? J'ai l'étage B maintenant. Je peux pas prendre ça. Ah. Je fais quoi alors? Ah, je peux rentrer? Ok, Rosenberg, j'ai coupé l'électricité et Greg a jeté les eaux. Bien, et j'ai détruit le septième livre. Pouvons-nous vraiment les arrêter? Il y a de bonnes chances. Rien n'est garanti, mais je pense qu'on y arrivera. J'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin. Je suis désolé que Luke ait dû impliquer ta famille dans tout ça. Si on peut arrêter le rituel, alors le conseil n'aura aucune chance de réaliser avant une centaine d'années. Alors je prie Dieu pour que ça marche. Dieu s'en fiche de nous, mon chou. Ne te fatigue pas pour des choses pareilles. Nous devons nous battre pour notre... Pour notre quoi? Pour notre quoi? Non. Oh non. Alors du coup, je vais reprendre mon truc, là. Il y a un trou. Il y a un énorme trou dans le mur. On disait qu'il y a une pièce de l'autre côté. Point de non-retour. Ramper à travers le trou effrayant. Il y a un énorme trou dans le mur. Eh, écoute, ben on va rentrer dans le trou. Je suis dans le trou. L'objectif, c'est enquêter sur l'appartement 504. Donc... Bonjour. C'est bon, j'ai le dernier chapitre. Ah, c'est tout ce que je voulais, moi, personnellement. En un instant, il se retrouve ailleurs. Même si Luke ne savait pas comment il s'était retrouvé ici, il savait qu'il devait le faire, ce qu'il devait faire.
Cette femme est une menace pour nous. On ne peut pas lui faire confiance. Nous accomplirons ensemble de grandes choses et nous pouvons tolérer aucun obstacle. Waouh ! Luc, il va vite, hein. Il va super vite, en fait. C'est abusé. L'enfant ne fera que nous ralentir. Elle ne suivra jamais avec le sang de traîtresse de sa mère dans ses veines. Oh. Oh non, il parle de la petite Megan. Marche avec moi dans les flammes immortelles et notre pouvoir sera infini. Aïe. Ça a éteint mon écran. À la recherche de la Providence. Luc, tu m'entends ? Luc ? Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Todd m'a donné une de ses inventions. Il a dit que théoriquement... Attends, j'ai perdu son accent, excusez-moi. J'étais choqué. Eh, hey, Todd m'a donné une de ses inventions. Il a dit que théoriquement, ça pourrait surcharger et détruire un mauvais esprit. Je suis monté tout de suite pour m'assurer que tout allait bien. C'est une bonne chose de l'avoir fait. Ah, donc ce démon aux yeux rouges était là depuis des décennies. C'était avant ma naissance. Je suppose que je suis peut-être pas maudit après tout. Ouais, qui aurait deviné que les appartements Addison avaient un passé si sombre. Ah, dire que je pensais que vivre avec Charlie était dérangeant, putain. Ce qui se passait fou, mec. Eh bien, je ne pense plus que nous devrions nous inquiéter d'une quelconque apparition du démon. Le truc de Todd semble s'en être chargé. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est cool et tout. Je pensais juste que je suppose que s'il n'y a pas de malédiction, ça signifie que mon père, il a juste... Ouais. Ouais. Il est juste parti chercher du lait, mon pote. Il est juste parti chercher du lait. Désolé. Larry. Je regrette, sale. C'est fini pour aujourd'hui. Les gardes me font les gros yeux. Attendez, je n'ai pas fini mon histoire. J'aurais espéré avoir des réponses honnêtes aujourd'hui, surtout qu'il s'agit de notre dernière session et que le procès est dans quelques jours. Je vous jure sur ma vie, je ne vous ai dit que la vérité. Conspiration gouvernementale, les démons fantômes et une sorte de console de jeu magique, sale, ces choses n'existent pas. Vous ne pouvez vraiment pas vous attendre à ce que je vous croie. Pensez-y de mon point de vue, les preuves contre vous pour ce que vous avez fait sont... pour le moins accablantes. Je sais que ça peut sembler irréel, mais ce que je vous ai dit est la vérité. Allez dans la cabane dans les arbres, je vous en prie, allez voir par vous-même, vous trouverez toutes les preuves dont vous avez besoin. Ah, quel putain de taré, hein ! Il va peut-être enquêter. Il va peut-être enquêter. Ah, il y va ! Il va chercher vraiment ! Allez ! Le psy est nul. Non, le psy, il est jouette. Je suis sûr qu'il est cool, le psy. Ah, l'appartement est tout déglingué ! Je joue le psy ! Je joue le psy ! Alors ça s'appelle une moustache... c'est une moustache foufouniaque, hein. Et les gens, ils vont encore me crier dessus parce que j'ai dit un truc comme ça. Et voilà. Ah, il y a même la peinture et tout. Photo. Ça semble être une photo des parents de Larry. Rien d'étrange, cependant. Foufouniac. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il dit, là? Boîte. C'est rempli de vêtements, de livres, de cassettes. Rien d'important. Des outils rouillés et autres déchets divers. De vieilles peintures d'amateurs, probablement celles de Larry. Il n'y a absolument rien. À quoi je pensais? Je suppose que j'avais juste besoin de voir ça par moi-même.
seul, était si convaincant et tout cela semblait si... Non ! Larry ! Docteur Enon ! Quoi ? Panique pas, mec ! On a besoin de ton aide ! Tu dois faire sortir Sal de prison ! Cette merde est beaucoup plus grave qu'on croyait, s'il te plaît ! Tu dois emmener Sal ici. C'est vous ? Êtes-vous un peu... Calme-toi, mec ! Tu vas faire une crise cardiaque ou quoi ? Eh, c'est important, si Sal vient pas ici bientôt, alors... Oh merde! Oh non! 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 Mais non! Mais putain, mais non! Mais vous êtes sérieux? Oh non! Le seul mec qui connaissait la vérité, s'il te plaît! Est-ce réel? Suis-je en train de rêver? Attends. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Trouve-moi dans le chambre blanche. Mais c'était écrit à l'envers. Mais tu ne dois pas parler de cet endroit aux autres. Le seul qui te croyait est mort maintenant. Que dois-je faire ? Cours. Hein ? Cours ! Cours ! Cours ! What the fuck? Je comprends pas ce que je dois faire. Entrez? Il y avait une porte ici avant? Les gars, je Est-il vrai que vous avez choisi de renoncer à une aide juridique et de vous représenter vous-même? Oui. Je n'ai rien à cacher. Pouvez-vous parler de votre conviction d'être un homme innocent? Vous en tenez-vous à l'histoire que vous avez racontée à la police? Je dirai la vérité. Êtes-vous en train de dire que votre histoire d'origine n'était pas vraie? Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. Pouvez-vous commenter cette prétendue personne qui aurait tué votre mère? Comment expliquez-vous l'absence de témoins ou de preuves d'une telle personne? Je ne vois pas la pertinence de votre question. Est-il vrai qu'ils vont ajouter le meurtre de Sanderson à vos accusations? Vous me l'apprendriez si c'était vrai. Mais honnêtement, je ne serais pas surpris qu'ils essaient de m'accuser. Et qu'en est-il de Charlie Manfields? Je n'ai rien à dire sur lui, sauf que j'ai fait ce que je pensais être juste à l'époque. D'accord, puisque vous refusez de partager les détails, permettez-moi de vous poser notre question la plus brûlante. Les téléspectateurs sont très intéressés par celle-ci. Est-il vrai que vous bénéficiez d'un privilège de repas spéciaux car vous avez peur de la mortadelle? Je n'ai pas peur de la viande du déjeuner, d'accord? C'est juste... Eh bien... c'est une longue histoire. Votre procès n'est que dans quelques heures. Je pense que nous avons le temps. Ah. Très bien. L'incident de la mortadelle. Ouais, mais ça s'enchaîne comme ça, mais c'est pas du tout ce que j'avais prévu, ok? Alors tu te calmes, petit jeu. Tu te calmes. Nous, on va pas faire l'épisode 3 tout de suite. Non! Les amis, si vous avez kiffé découvrir ou redécouvrir Sally's Face en ma compagnie, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en laissant votre plus beau et magnifique pouce bleu. Enfin,
En vrai, il faudrait que vous matraquiez le pouce bleu parce qu'apparemment, j'ai... Ouais, j'entends. Il est en train de se moquer de vous. Il est en train de se moquer de vous. Le pouce bleu, il dit des saletés sur vous. Il faut le défoncer, le pouce bleu. Il faut le taper. Tapez-le avec votre doigt. Dépêchez-vous. Voilà. J'entends pas assez de pouces bleus qui meurent, là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est Ross out.